Ami de Bacchus, bien bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'un accord mais et vin, de l'accord entre la pizza et le vin arrosé. J'avais fait une première vidéo sur la pizza, j'avais parlé que du vin rouge. Cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus loin et parler de l'histoire de la pizza et de ce fameux accord avec le rosé. C'est parti Pour parler de la pizza, il faut revenir à son étymologie. Le mot pizza pourrait provenir du latin pizza qui signifie Étalée. Ou encore de l'allemand bisso, un terme pour désigner un morceau de pain. En Grèce antique, on appelait aussi une galette plate la pita. La pizza remonterait donc à l'Antiquité tardive en l'an 997. Une légende voudrait que ce soit le marchand vénitien Marco Polo qui ait ramené l'idée de la pizza en Italie. Bon, C'est une belle histoire, mais il n'y a rien d'historique car on peut trouver de nombreux ancêtres à la pizza, même en Asie. On peut donc trouver sur le continent asiatique de nombreuses recettes anciennes qui associent une pâte et une garniture. La Chine consommait depuis la nuit des temps une galette surnommée Bing. Rien n'atteste qu'une recette ait été ramenée d'Asie jusqu'en Italie. Il semblerait que la pizza soit née au 16e siècle dans la ville italienne de Naples. Les marchands de cette époque auraient ramené du Pérou la tomate. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que la tomate vienne garnir la pizza jusqu'à l'introduction de la tomate en Europe et son utilisation dans la cuisine à la fin du XVIIe siècle, la pizza n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. La pizzilla, sorte de pain de garde, apparaît dans un recueil de contes napolitains, Le conto d'Oli conti de Gambattista, publié en 1634. La tomate, étant de la famille de la beldonne toxique, ses fruits ne sont pas considérés comme comestibles avant le début du XVIIIe siècle. La population pauvre de Naples se rend compte très vite des avantages de la pizza, elle est économique et bien rassasiante. Dans la seconde moitié du 19e siècle, des médecins hygiénistes tels que Enrico de Renzi classent la pizza parmi l'un des aliments les plus pauvres. Au départ, les pizzas étaient vendues par des marchands ambulants qui transportaient leur propre four pour maintenir les pizzas au chaud. Dans le vieux Naples, deux variétés de pizzas étaient particulièrement populaires la Marie Nara et la Margarita. Elle est faite par Raphaël Esposito en l'honneur de la reine Marguerite qui appréciait beaucoup ses pizzas. C'est en 1780 que la première pizza d'Italie moderne voit le jour. Le 2 décembre 2017, l'UNESCO a classé la Napolitana comme patrimoine mondial de l'humanité. La Napolitana n'est pas à confondre avec la pizza Napolitaine que l'on trouve en France. Ce sont bien deux pizzas différentes. La pizza appelle tout naturellement les vins rosés qui offrent une palette aromatique très riche et une structure de vin blanc tout en fraîcheur. Les vins méridionaux tiendront tête aux garnitures les plus puissantes en bouche comme les anchois ou les olives. Pour la margarita, prenez un rosé épicé comme le Tavel, un anonyme ou un Languedoc. Ou un blanc expressif comme un Côte du Rhône ou un anonyme. J'espère que cette petite histoire de la pizza vous a plu et quand vous prendrez une pizza, vous penserez à moi. Une chose aussi, vous pouvez mettre dans vos commentaires une question et je répondrai, je prendrai le temps dans la prochaine vidéo de répondre à votre question. Vous la marquez dans les commentaires. Donc abonnez-vous, comme d'habitude, likez et activez la cloche. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!